Bon, Michel, je ne sais pas comment présenter à l'ami François Will. Oui. Parce que, en plus d'amis et bon cuisinier, c'est une des personnes qui a travaillé plus parce qu'aujourd'hui, on peut être ici. Toi, moi, et lui, et les autres 14, 15 chefs qui sont en train de venir. C'est une présentation d'amis. Et je crois que toi, tu peux faire le rendez-vous comme lui parce qu'il va apporter son personnalité, son cuisine et toujours la marca qui vient de la Cerdanya, que c'est una comarca, une place, on se mange toujours très bien. Parce qu'il travaille entre les deux côtés de la frontière des Pyrénées. Mmh, très bien. François, vous êtes alsacien hein, d'origine. Non, je suis catalan, mais, j'ai des racines alsaciennes voilà, et très fier de mes racines alsaciennes. International. D'où le nom, voilà, international. D'où le nom. Et ce que François va nous proposer aujourd'hui, et que vous proposez peut-être à Font-Romeu à la Chaumière d'ailleurs, oui. C'est un magret particulier, parce que quand on dit magret, on dit toujours magret de canard. C'est ça. Souvent, c'est ce qu'on fait. Et là, on voit que celui-là, déjà, est plus gros de taille, oui. Celui que vous allez nous préparer. Et donc, c'est du foie gras d'oie. Du magret d'oie. Du magret d'oie, pardon. Du magret d'oie. Si vous voulez, il y a une recette typique de la cuisine catalane, c'est l'oie au poire. Hein, au poire. En Catalogne. Donc, pour faire une oie au poire, ici, c'était un peu... C'était un peu compliqué parce que c'est très long. Au Camperes, on dit chez nous. Au Camperes, c'est traditionnel d'hiver. Donc j'ai dit, on va faire le magret. Ce sera un peu plus simple, un peu plus rapide, mais aussi plus facile pour faire pour les ménagères à la maison. Et surtout avec des poires de Cerdagne qu'on a là, des poires de Cerdagne, avec un miel de Font-Romeu, puisque c'est mon miel que je fais moi. C'est toi qui le fais. Ce que je fais, là, François, c'est que j'appuie un peu dessus, vous voyez, ouais. Pour voir si c'est mûr. J'ai raison de faire ça ou pas? Ouais, mais si c'est trop mûr... Là, elles sont bien, elles sont un peu moelleuses. Sont, hein. Il manque un peu de maturité, mais ouais. ça va le faire quand même. D'accord. Et cette boire qui arrive à l'hiver, c'est spécial de la Cerdagne. C'est hein, spécial de Cerdagne. La Cerdagne a toujours été réputée pour ses poires et ses pommes, hein, mais surtout pour les poires. Hein. Et donc, on a un producteur maintenant qui tape Cerda. C'est les poires soulées et qui fournit les grands restaurants et qui fait de très très bonnes poires. Et vous êtes un autodidacte, hein, en fait. Un autodidacte, oui. Et vous arrivez donc à la cheville même et à la hauteur des grands. C'est une satisfaction. Si j'avais la cheville, je suis déjà bien content. Alors, ce que ne dit pas François, c'est qu'il fait aussi son miel. Voilà. Vous avez vos petites abeilles qui butinent et de temps en temps, vous faites du miel. Alors, ce miel, il a la particularité, c'est qu'il est... Il est récolté à 1600 mètres d'altitude, donc c'est déjà très haut pour les abeilles. Donc j'ai fait un petit rucher fermé, donc mes ruches sont à l'intérieur du rucher, dans une cabane. Donc elles sont protégées du chaud en été et du froid en hiver. Et je fais un miel pressé, qui contrairement au miel centrifugé, garde toutes ses qualités. Le miel centrifugé les a aussi, mais celui-là il les a encore plus, le parfum qui reste plus. Ah, vous cherchez vraiment la petite bête, si j'ose dire. Hein. J'essaie de me faire un plaisir. Oui, oui, oui. Le miel d'altitude. Je privilégie la qualité à la quantité. Et après, j'ai pas beaucoup d'abeilles, donc voilà. C'est vraiment pour me faire un plaisir. C'est mon hobby, on ira. Alors, du coup, c'est vrai qu'on fait du canard à l'orange. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas de l'oie avec du miel et puis des poires hein. Ça va très bien, le voilà, sucré salé. Hein. Voilà. Ça, c'est la cuisine hein, et le cuisinier qui les en a. On va commencer. La première étape, c'est laquelle hein. Parce que je vois des petites choses là, qui ne sont pas plaisantes. Ça, là, la non première chose, on va parer un peu ce magret. On va enlever un peu le plus gros de la graisse. Par la caméra, parfait. Voilà. C'est facile de trouver de l'oie, l'oque. Et il faut connaître, on en trouve. Parce que c'est plus facile les canards, mais l'oque... Oui, c'est que le canard est plus facile à lever que l'oie, donc... Voilà, et là on part un peu le magret, on enlève les petites nervures. On garde tout ça aussi pour faire quelque chose après ou pas? Non, on ne jette rien, ça on le met, on fait des petits jus avec, là on ne s'en servira pas parce qu'on ne peut pas, mais... Mais sinon ça peut servir à quelque chose. Ça peut servir. Ouais. Alors je vais mettre ma poêle à chauffer. Alors quand Jean Pouzenec vous invite pour ce premier festival méditerranéen de la gastronomie à Perpignan, ce dimanche 7 novembre, vous dites tout de suite oui, et puis ça y est, j'ai mon idée en tête. Non, ça n'a pas été si vite que ça, parce qu'il fallait trouver un produit de saison. En plus, nous, on est fermé en ce moment. Donc, mais bon, ça m'est venu assez vite, parce que justement, l'autre jour, je suis allé chercher mes poires chez mon fournisseur. Je suis allé même le voir là où il les cueillait.
Je dis, ben, on va faire un truc, on va faire un truc avec des pois, et donc un plat typique de notre Catalogne. Oui. On quadrille comme d'habitude. Voilà, on quadrille pour que la chaleur pénètre bien. Ouais, ça on sait le faire. Alors il faut quand non, même pas aller. C'est curieux parce que même que tu as commenté qu'il a fait le canard orange, à chaque terre il y a la fruit qui mélange bien avec oui. la viande. Et à l'autre côté, il utilise la poire parce que à la poire d'hiver c'est un peu acide, non? Et comme ça c'est un mélange très intéressant. Algun plat. Il y a la compote de pera, non ? Amb algun plat ouais. d'ànec, no ? Compote de pois. Ça, ça oui. c'est des comices comme variété. Oui. Donc là, on va le mettre à plein pot, oui. Plein pot, là, après, on le baissera gras. Un peu. D'accord. Pendant ce temps, on va s'occuper des poires. Poires. Voilà, merci. Alors, la poire est un fruit qu'on cueille en été, si je me souviens bien, mais qui se garde assez longtemps. Ensuite, tout l'hiver, on peut garder une poire, comme bon, on garderait des pommes de terre à la cave. Ceux-là, ils ont été cueillis il y a 3 semaines. 3 semaines, ouais, d'accord. Ouais. Parce que moi, j'ai cueilli les poires en été, mais c'était dans une autre vie. Donc, celles-là sont assez récentes. On peut les garder longtemps, les poires ? Ça se garde ou pas ? Oui, ça se garde assez longtemps. Ça se garde. J'ai marqué. Marqué juste après, hein. On le finira au four. Donc moi, je vais faire un petit jus de poire, là. Mm-hmm. Avec l'extracteur. Voilà. C'est pas une centrifugeuse, hein. C'est mieux pareil. Que la centrifugeuse. C'est mieux, ouais. Ah, il y a tout, la peau, les grains, tout. Tout. Les pépins. On est bien. Je vais mettre un petit peu de citron, pour pas que ça oxyde. Pour pas que ça oxyde, d'accord. Voilà. Ça sent déjà bon. Aïe, aïe, aïe. Wow. On a mis la queue de la poire aussi ? Ah non, quand même pas. Non. Quand même mais ça, pas. On pourrait la mettre. On pourrait, d'accord. Quel éleveur, l'éleveur de doigts, qui vous a fourni ? C'est un ami qui me l'a fourni, celui-là. C'est un ami ? Oui. En plus de ça, pendant la pandémie, avec François, on a fait aussi online de la cuisine de chez lui, oui. quelquefois, et François, ouais. la cuisine en direct de chez lui. Parce qu'on ne peut pas sortir, on ne peut pas faire rien proche, on l'a fait à distance. Et on a parlé d'un côté à l'autre pour faire toujours quelque chose, quelques actions, pour pouvoir faire la promotion et donner à connaître. Donc là, je sale et je poivre. Ah oui, ça sent déjà très... Ah, ça, c'est tout le gras qui est voilà. sorti du... Ouais, ouais. Ça, on ne va pas s'en servir. Parce que, François, la chemière, toujours tu fais la cuisine qui était entre un côté et l'autre du Pyrénées. Exactement. Hein. Donc maintenant, ça, je vais le mettre au four une dizaine de minutes. D'accord. À 170 degrés. 170, c'est prêt. Dans le plat en inox. Le temps, je ne sais pas comment il se règle. Voilà. Et donc, avec ça, on va peut-être faire une petite réduction. C'est ça ? On va faire le jus. Donc ah, ça, le jus. Cette graisse, je ne la conserve pas. Oh, François, on ne fait pas de légumes aujourd'hui. Hein. On aura la poire. Hein. On aura la poire, d'accord. Tu as mis pour 10 minutes, non soir, ouais, 10 minutes, oui. 10 minutes. Alors là, je prends mon autre poire. Hein. Alors, je vais l'appeler, celle-là. C'est vraiment celle-là qu'il faut, hein. C'est pas une autre conférence ou Rocha. Mais ou... Moi, je dirais que c'est celle-là parce que c'est celle-là que j'utilise. Hein. Et parce qu'elles sont très bonnes. Hein. Elles sont agréables à manger comme ça. Et ça, c'est une recette traditionnelle ? L'oie au poire, c'est une recette traditionnelle. C'est un des plats de la cuisine catalane. Ouais, hein. Ouais.
On le fait avec toute loi entière, non normalement. Avec loi entière, oui. Mais là, il fallait. Il fallait d'autres heures pour le faire. Pour faire la cuisine de loi, on a peut-être les jours avant, quelquefois, hein, fait peu à peu comme ça. Bon, un des recettes plus spectaculaires qu'il fait, François, c'est la tête. Raconte-nous maintenant. La tête de quoi ? C'est Michel qui va. La tête va de quoi ? La tête de veau entière. La tête de veau entière. La fameuse tête Michel. De veau de Jacques Chirac, en ravigote. Exactement, oui. C'est ça ? Sauf que j'ai la cuisine entière. Elle l'a fait chez lui. Ah oui ? Elle l'a goûté dans une fête avec les cuisiniers des Pyrénées. C'est spectaculaire. Hein. Ah oui, il faut aller à Font-Romeu pour voir la cuisine et faire un bon repas avec la tête de veau. Hein. C'est spectaculaire, aquesta. Hein? Donc là, les poires, laissez-les goûter si c'est madure, si c'est à point. Laissez-les goûter à Michel. Il va voir la poire d'hiver de Pyrénées. Je goûte, je suis la goûteuse officielle. Oui, ça, c'est pas la viande, hein? Non, ça va. Délicieuse. Oui, c'est spécial, hein? C'est une poire spéciale pour la cuisine en plus. Très, très bonne. Hmm. Mais François, vous faites aussi une cuisine pluriculturelle. Exactement. Vrai, hein, vous n'aimez pas vous limiter à une sorte de cuisine. Non, mais mes bases, c'est la cuisine catalane, la cuisine de ma maman, de ma grand-mère, de la cuisine locale. Mais je reconnais que tous les ans, je fais quand même, à la chaumière, je fais des kouglof. Ah, bah ça, c'est vos origines un peu proches exactement. De l'Est. Voilà. Ouais. Alors c'est toute une histoire en fait à la chaumière parce que vous avez vendu, vous avez racheté, vous exactement. Êtes revenu quoi. Hein. Donc là je prends un peu de un peu de mon miel. La miel la plus haute miel de l'Europe peut-être. Non peut-être pas mais. Non mais c'est pour rigoler un peu non mais. D'abord la miel c'est pas toujours à plus de 1000 mètres dans ça. Hein. À 1600 mètres il n'y en a pas beaucoup hein. Donc, quand vous le servez au restaurant, c'est avec quels légumes ? Je reviens à la charge un peu. Avec des poires. D'accord. OK. Non, au restaurant... On peut mettre des pommes de terre, par exemple, tout simplement. On peut mettre une petite purée. Ou en ce moment, c'est la saison du potimarron. Voilà, ça irait bien avec. Oui. Donc, le potimarron, un petit potimarron sauté. On peut en mettre en même temps que les poires. Hein. Oui. Sinon, on met des poires, c'est bien. Voilà. Ah, d'accord. Donc voilà, là je mets mes poires à cuire la miel dans mon miel. Alors le but, ça va être de les avoir bien fondantes ou un peu juste. J'aime bien qu'elles soient un peu craquantes un quand peu même. Comme ça, d'accord. Qu'il y ait un peu de mâche encore. Ouais. Ça, c'est la garniture. Voilà. Voilà, c'est le légume. Voilà, on va monter un peu le feu. Ça va caraméliser un peu. Il faudra chercher une version pour Michel, sans la voix, avec les fruits, légumes, comme ça, la miel, bien sûr. Toujours il y aura une version pour toi, Michel. Pas de problème. François, il y a beaucoup de ressources, comme tous les autres. On utilise la miel comme pour faire la dorée, non? Comment? Tu utilises la miel pour faire la dorée. Oui, pour le cuire et ça va faire le fond de sauce. Donc si les poires sont vraiment mûres, je les saisis juste après, je les enlève, sinon elles vont... Elles vont se défaire, ça fera la purée. Donc, cela, on va les laisser tout le long de la sauce parce qu'elles sont vraiment fermes. Donc, voilà. Ce qu'il faut dire, oui, c'est quand même que François, il figure dans le Michelin. Hein. Ben oui, pour quelqu'un qui est entre guillemets autodidacte, ça doit être une très grande fierté. C'est une très, très grande fierté, oui. Ben oui. Et puis, je suis surtout dans les toques le Bain du Roussillon. Aussi. Et ça, c'était ma plus grosse fierté parce que. Ah oui. Parce que c'est, pour moi, c'était un but à atteindre. Donc là, je vais déglacer avec un peu, je vais les baisser un peu, que ça ne caramélise pas trop. Je vais déglacer avec un peu de vinaigre de Banyuls. On reste toujours par chez où nous. Où l'on trouve beaucoup de sangliers. Voilà. En ce moment, rappelons-le. Donc le vinaigre, ça va donner un peu à cette sauce aigre douce, ça va un peu casser le goût du sucre. Mm-hmm. C'est un peu à l'asiatique, alors. Voilà. On va le poivrer assez fortement.
C'est une sauce qui appelle le poivre quand même. Mais depuis tout à l'heure, on fait marcher le moulin à poivre, beaucoup. Ouais. Hein. J'ai noté. Hein. Alors là, on va laisser réduire, on y met un peu de fond de veau. Mais moi, j'ai modifié ma recette, là, donc j'ai fait mon jus de poire. Hein. Et là, je vais le mouiller avec mon jus de poire. Hein. On ne l'a pas goûté avant, hein, c'est dommage. Ah bon, on va en faire une autre. Hein. Ah, très bien. Avec de la poire. Tu peux t'emporter quelques poires à la maison que tu vas voir en 2-3 jours. C'est là fantastique, non? Si ou non? Exactement. Hein, quand c'est là un peu plus mûr. Et maintenant, il faut que ça réduise, que ça réduise. Il faut que ça réduise. Et la vaporisation de les vinaigres de Bagnols, que ça revient. Le sang, ouais. Et dans ce pot, c'est le fameux fond de veau. De quoi, de veau? Ça, c'est le fond de veau, oui. Et notre secret des cuisiniers. Tous les cuisiniers, si tu as vu Michel, tous les cuisiniers portent quelque chose qui ne s'est pas marqué, qu'il n'y a rien, on nous dit que c'est un fond. Oui. Et ça, c'est toutes les... Il y a du fond de veau, mais je ne viens, moi, tous mes... Il y a des années de cuisson, là. Non, peut-être pas. Autrefois, c'est le secret. Ça sent très bon. Voilà. On rajoute pas de sucre, par contre. Tiens. Ah non, mais il y a le miel. C'est déjà pas mal sucré. Hein. On peut rectifier un peu, non? Pour rectifier avec le sucre ou non? Non, c'est déjà très sucré. Avec le miel, c'est suffit. Et c'est une sauce que je fais d'habitude avec du Bagnols. Et là, je ne vais pas mettre du Bagnols parce que sinon, c'était trop sucré. Donc là, je vais y mettre du rancio sec. D'accord. C'est facile, tu peux avoir les vins de Bagnols à côté de la sauce et de temps en temps faire un globe de viande de Bagnols. Voilà. Tu peux jouer à la des choses. Et là, en ce moment, François, tu commences à penser au menu de Noël bientôt, là, à travailler dessus. C'est... Comment? Tu commences à travailler sur les idées de menu de Noël. Oui, on va s'y pencher. On parle de l'oie, qui est une volaille. Enfin, une volaille. Ouais, on va s'y pencher. Bon, ben, nous, on va avoir maintenant tout le gibier. Oui. Le cerf. Le cerf, c'est une super viande, le cerf. Oui. Quand je mets du cerf à la carte, ça marche. Tout le monde en veut. Ouais, tout le monde en veut. Donc voilà. Et maintenant, il faut le voilà, je vais mettre un peu de biranci. Ah, de biranci, ça c'est. De rancio. C'est très important dans la cuisine. Sec. C'est très important pour la cuisine traditionnelle. Hein? Tu vois déjà comment ça... J'ai dit François, et nous sommes en train d'arriver à l'hivern et à ouvrir la station de ski en 4 jours. Il va ouvrir le restaurant et travailler beaucoup parce que tu étais au côté de Font-Romeu de beaucoup de pistes de ski, de le côté catalan. Là, je mets un petit peu de rancio. Alors j'aime bien, c'est toujours un peu, quoi. Il y a la moitié de la bouteille. Non, j'exagère. Une lichette. On va saler un petit peu quand même. On ne va pas oublier. La chaumière, par rapport au pied des pistes enneigées des neiges catalanes, elle est placée où? À l'entrée de Font-Romeu. À l'entrée, donc il y a tous les touristes qui vont goûter. Puis nos clients. Et... Après, on a un petit restaurant aussi sur les pistes, au niveau de la Calme. On fait un peu ce genre de cuisine ou autre chose? Il y a toujours un peu le reflet de la chaumière, mais c'est une cuisine plus... Adaptée, oui. Les gens viennent pour manger vite. Ouais. C'est comme un bistrot de street food. Un bistrot de la chaumière, non? Voilà. Ça va, c'est bon? Ah, ça commence à faire... C'est pas mal. Et là, voilà. Et là, maintenant, un peu de mon... Ah, l'élixir magique. La magique. Voilà. Oui, le secret. La potion. Alors, un peu. Voilà. J'aimerais sentir quand même. Voilà. Ah, ça sent très bon. Oui. Bien sûr. Ça aide beaucoup. Hein. Donc là, comme les plaies... Non, inquiète, c'est pas présentable. Okay. Là, comme... les poires sont quasiment cuites... Je les enlève de manière à ce pas qu'elles soient trop... Qu'elles gardent un peu de... On le voit à l'œil nu hein, quand elles commencent à être cuites. Hein. On arrive à le voir. Hein. Voilà, et on le voit comme tout à l'heure avec pour les légumes. Oui, tu vois, c'est... C'est parfait. Hein. Voilà. Et avec ce qui reste là-dedans, là, parce qu'il reste la pulpe, on fait quelque chose? Ça, non, ça.
Ça s'en va, ça. Ça s'en va et ça revient. Pour les c'est poules. Comme une chanson. J'ai des poules. Ah, c'est pour les poules. Très bien. On chauffe à 10 minutes, mais je mène, non ? Donc, mon magret, il est bien revenu. J'enlève la graisse, là. On va le laisser reposer 2-3 minutes, le temps de... Voilà. Ça, c'est important de faire ça, de mettre un peu... Là, c'est chaud. Le sang va sortir. Ça et... continue de... Ça fait sortir les sucs un peu. Voilà. C'est ça. On va goûter la sauce. Mmh. Mais qui est-ce qui goûte tous ces plats depuis tout à l'heure, en fait, Yuis ? Parce que nous, on ne goûte rien. C'est pas nous. On reste toujours ici. Nous, on a rien. Il y a quelqu'un qui veut les filles. Il y a quelqu'un qui... Bon. Il faudra demain changer un peu les papiers, parce qu'il y a quelqu'un de l'autre côté qui est toujours un peu goûté tout. C'est ça. Et nous, on... Non. Il y a la Michelle. Et heureusement, il vient faire l'animation de la session. François, ouais. Tu connais bien. Et c'est la meilleure partenaire que j'ai eue jamais dans la session de cuisine. Mais on ne goûte rien. Somme on regarde, regarde, on ne peut pas goûter, nous. On fait ça avec le thon aussi, hein, souvent. On le fait. Ouais. Hein, on fait ça avec le thon. Avec beaucoup de choses, sans doute. Voilà. Il a réduit en taille quand voilà. même. Ah ben c'est oui. normal, c'est le gras. Ça, comme ça. Les magrets doivent. Yuis. À le centre. Attends. Mets ton doigt dedans un peu, oui, tout doucement. Ça, on doit. Ouais. Comme ça. Le centre aussi. C'est bon ça. Ah, ça sent le sang quand même un on peu. On dit chez nous, pour chupar, on dit. Ouais. Petit, ouais. Et si c'est la cuisson, c'est bon, non, François? Elle est superbe. Ici, rosé dans le centre, rouge, comme ça. Je suis là au cas où. Hein. Il faut dire, ici, dans les camions de pro à pro, il y a un très bon équipement. Tous les cuisiniers, on peut travailler... Comme chez lui, ouais. C'est exceptionnel parce que tout, c'est... Et là, on va dresser... Professionnel. On dresse l'assiette. De niveau. Bon, c'est important avant. De faire absorber le sang avant quand même, que ce ne oui, soit pas dans l'assiette. Oui, parce que sinon, il va tout sortir dans l'assiette. Oui, c'est pas beau. C'est pas bon et c'est pas joli. Ouais, tu vois, la cuisson, elle est... Moi, c'est la cuisson que j'aime. Elle pourrait être un peu moins saignante, mais je pense qu'elle est bien comme ça. On ne va pas ressaler ensuite derrière et repoivrer. Il faudrait y mettre une... Une pointe de sel, de fleurs de sel, mais je n'en ai pas pris. Donc on a... François, ça c'est une ration pour deux personnes, ou pour une personne comme toi. Une personne comme moi. Parce que ça c'est une portion importante. Hein? Bon, en toute façon, la poire aide à faire la digestion. Hein? C'est pour ça qu'on a mis la poire, non? Ça c'est voilà. pour une personne à la chaumière? Non, ça... Pour deux? Une et demie? On le mange à deux, ça. Il est gros ce magret quand même. Oui. Et voilà la garniture. Et il reste la sauce là-bas. Tiens, Michel. Oh, c'est gentil. Ah, maintenant tu peux la goûter. Il faut donner à Yuis après. Aussi. Il y a avant. Pauvre Yuis, il n'a rien. Il y a avant et après. Ah oui. Oui, meilleur. Prends. Je viens, j'arrive. Merci. Ah, c'est très bon. Tout est très bon ici. On reviendra. Merci. Voilà pour la sauce. Et là, on va finir. On va y mettre toujours dans les poires. Hein. Ah, les fameuses poires que tu as faites toi-même. La poire déshydratée. Voilà. Là, il faut un déshydrateur pour faire ça. On ne va pas s'amuser à faire ça au four. Hein. La texture, non ? Ah, très bien. Et on va préparer pour l'assiette. La poire de Cerdagne. Voilà. À l'honneur. Comme ça. Caraï. Voilà. Caraï. Et comme on dit, bon appétit, ça, bien sûr. Ça qu'on dit, c'est vraiment fantastique aussi la présentation. Hein.
Il a fait la poire, l'a cassée, et autrefois, ouais. Il l'a mise sur les plates. C'est poire, poire, poire. Donc il y a le jus de poire, il y a la poire entière, et il y a la poire déshydratée. Et on peut, si on veut, on peut servir un petit alcool de poire. Oui, ça serait... Et une glace à la poire. Ouais. Et la miel de l'Alsade est toujours le petit secret des cuisiniers. Ouais. François, merci beaucoup. Merci François Vie. Merci. Viens me retrouver. Viens merci Michel. Hein. Merci beaucoup pour cette session aussi, pour ton recette de la Font Romeu qui vient de chez toi, de comme s'en dit, ajuda'm. De la chaumière. Je veux dire en catalan et en français à la fois, mais comme ça. Parce que c'est une trouvaille, comme ça. Ouais, ça fait voilà. Un mélange un peu différent avec les bois et la poire. Il fallait trouver une recette qui soit, qu'on puisse faire en demi-heure. Hein. Parfait. Et je pense que c'est bien. Et c'est puis on parfait. Peut la faire à la maison très facilement. Et comme toujours, on a mangé bien, non ? Oui. Michel, oui. D'accord. Bon, maintenant que vous regardez tout ça, maintenant que vous amusez à regarder les plats de François Will, de la chemière de Font Romeu, on va faire un petit... Non, montre-lui à la caméra. Et on va faire un petit stop et comme ça, on revient tout de suite. Pas bravo à moi. Oui, des bravos à François.